Voilà, bonjour. On est arrivé à chacun, Et alors Bless you in the name of Jesus. Connectons-nous massivement et partageons la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Partageons la vidéo. Saint-Esprit, merci pour ta grâce ce matin. Seigneur, merci pour ta faveur et ta bénédiction. Merci pour mes frères, merci pour cette nouvelle journée. Merci pour ce moment extraordinaire que nous avons passé dans ta présence. Seigneur, ouvre-nous l'esprit pour comprendre les saintes écritures. Que ton nom soit glorifié. Que tu sois élevé au plus haut des cieux. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bonjour, bien-aimé. Que la grâce de Jésus-Christ soit ton partage. Que cette journée soit une journée bénie. Bénie pour chacun d'entre nous. Et connectons-nous massivement, partageons la vidéo au maximum. Bienvenue dans le mois des clés et de la possession des portes de nos ennemis. Pendant ce mois de septembre, Dieu nous donne la possession des portes, des maisons de nos ennemis, dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Donc ça doit être pour toi un moment de joie, un mois de fête, un mois de recouvrement. Et de relèvement. Le Seigneur nous relèvera de toutes nos chutes dans le nom prêché souverain de Jésus, où sa grâce et sa main se manifesteront avec puissance. Donc, partageons la vidéo, s'il te plaît, sois béni. Pendant que tu le fais, sois béni. Partage la vidéo au maximum de personnes. Et si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous et recevez la double portion de tout ce qui se passera ici. Bienvenue à Natu Gega, bienvenue à Mesti Gavuka à Luran, qui sont fidèles. Ici à Ephraim, Dai, c'est Dieu ou c'est Dai, OK? Yvonne Ephila, bienvenue, Joc Jocelyne, la douce, Amen, Dieu augmente votre douceur, Marie bless. quoi que ce soit, Honorine Olympio, wow, Honorine, je suis content de vous avoir en direct, architecte romain, voilà, bonjour mon fils, est-ce que je peux le faire participer? OK, je t'envoie une invitation mon fils, sur mon écran. Accepte l'invitation. Ça, c'est mon fils Togo. <coughs> date Facebook, accepte juste l'invitation et on pourra parler en direct. Il y a un endroit sur Facebook où tu peux apparaître sur mon écran. Donc, je t'ai envoyé une invitation. Donc, accepte-la de ton côté. Voilà, nous disons bonjour à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, vraiment. Bienvenue dans le mois de septembre, le mois des clés. Dieu te donne des clés extraordinaires pour ouvrir toutes les portes récalcitrantes et résistantes dans ta vie, dans ta famille. Dieu nous donnera des ouvertures partout. Donc, s'il vous plaît, envoyons la vidéo. Juste le fait d'être connecté. Jésus a dit déjà vous êtes pur à cause de cette parole que je vous ai annoncée. Avant même que vous la mettiez en pratique, il dit vous êtes pur déjà. Juste parce que vous avez écouté ce que je vous ai annoncé, vous êtes pur déjà. On dit l'invité à refuser de participer en vidéo directe. Reverend Romain, ne refuse pas mon fils, c'est ton père qui t'invite. Viens. C'est ton père. Oh, bonjour Laurent Sacharbout. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu te bénisse ma fille. Il t'amène très loin, très loin, au-delà de ce que tes ennemis ont prophétisé contre toi. Donna, l'architecte Romain, je renvoie encore la joue. Okay. Voilà, que Dieu te bénisse. Voilà, bonjour à Léa Kouadio. Bonjour à Joseph Aboya. Bonjour à Edvige. Ah, aïe, aïe, aïe. Hello, c'est comment mon fils? Bonjour, papa. Comment va le Togo? Le Togo va bien, papa, la grâce de Dieu. Ça, c'est mon fils. C'est le révérend Romain. Il est au Togo et c'est lui le pasteur de la sous-région Afrique de l'Ouest. C'est lui le, le commandant là-bas, le commandant en chef. Et je suis très honoré de t'avoir en direct. Alors, dis-nous, comment va l'Afrique de l'Ouest? Mmh. L'Afrique de l'Ouest va bien par la grâce de Dieu. Mmh. Et nous bénissons le Seigneur. Le, Amen. le Dieu de nos qu'il fait ce qu'il accomplit de ce côté. Et il faut dire que nous sommes en pleine saison pluvieuse et du oui. fait que je me suis rendu compte un peu partout. La fidélité va bien, l'église du Togo, l'église du Bénin Amen. va bien. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il ne cesse de nous surprendre ici. Il oui. dit que le témoignage que je peux donner déjà... C'est qu'à chaque fois que vous nous donnez une injonction ou à chaque fois qu'un thème sort du côté du Cameroun, nous sommes mmh. connectés. Moi, ouais. je suis étonné de savoir que quand je regarde les directs du côté du Cameroun, je me rends compte que mmh. ce qui est fait à la Bible, la même chose se répète au Togo, que ce soit en termes de la prophétie, mmh. les guérisons, extraordinaires, les miracles. Déjà le mois passé, qui était le mois de gloire, le Seigneur s'est manifesté puissamment au travers du service de lavement des mains. Mm -hmm. Donc, ce mois nous avons mm -hmm. aussi commencé avec la portion des clés. Il faut dire, je bénis le Seigneur déjà, le Dieu de Père que vous êtes et qui est notre Dieu. Amen. Amen. Qu il Parce que je ne peux pas dire que je tiens par ma force, mais je mm -hmm. ressens ses prières. Déjà, personne ne tient pas sa force, pas sa grâce. Bénis mmh. du Seigneur pour ça. D'accord. Donc voilà, il faut, dire, il faut dire à nos enfants. Amen. Il faut dire à mes enfants Togo. Amen. Il faut dire à l'église du Togo, à tous mes fils et filles là-bas, que je les aime beaucoup. Et je pense que le Covid qui a dérangé un peu. C'est là que j'ai été un peu absent de ce côté mais je pense que par la grâce de Dieu l'année prochaine je serai au Togo enfin, je vais revisiter l'Afrique de l'Ouest donc il faut les rassurer de mon amour les rassurer de de ma loyauté vis-à-vis d'eux et dire leur que le Seigneur les amènera très loin et je, je crois en Dieu pour le mois de septembre pour Tout... toute l'église de l'Afrique de l'Ouest je sais que Dieu vous bénira Dieu ouvrira vos portes fermées et vous accordera les clés, les clés de mystères de son royaume. Voilà, fils, que Dieu te bénisse. Alors, bye, bonne journée là-bas. Ouais. Content de te voir. Tu as ouais. pris du poids, hein? Ouais. Pendant que tu vois ton père qui maigrit tous les jours. Sois béni. <laughs> voilà. Donc, ça, c'est le pasteur du Togo et l'Afrique de l'Ouest. plusieurs pays dans la sous-région. Seigneur, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Avant de commencer, le mois des clés. S'il y a un domaine de ta vie où tu manques les clés, et pour savoir, que quelqu'un demandera, prophète, comment faire pour savoir que ce n'est pas la clé dans tel domaine de ma vie C'est lorsque tu échoues de façon répétitive, lorsqu'il y a la déception dans un domaine de ta vie, ça peut être les finances, ça peut être ta carrière, tes études, ça peut être ta vie sentimentale, ton mariage, le domaine familial, etc. etc. Donc, lorsque tu te rends compte qu'il y a un échec, l'échec qui se répète dans un domaine de ta vie, ça veut dire la porte, là, tu n'as pas la clé. Mais Dieu te donnera la clé. Pendant ce mois et cette journée, nous n'allons pas finir ce direct sans que le Seigneur ne t'ait accordé les clés de ce domaine qui a été embrigadé et encadré. Dieu n'a pas franchi, si nous n'avons pas les clés. Et j'ai dit une chose. Nous allons parler des choses très sérieuses pendant ce mois de septembre. Donc, vous me connaissez comme un prophète, mais vous me connaîtrez aussi comme un docteur de la parole. Parce que je vais enseigner sur des choses un peu compliquées. Oh, c'est vraiment ces choses compliquées-là qui peuvent nous sauver. Ouais, ce sont elles qui vont nous sauver. Donc, s'il te plaît, sois connecté et reçois les clés pour ouvrir les portes fermées de ta vie. Quels que soient les domaines où les portes t'ont résisté, le Seigneur te donne les clés qu'il te faut pendant ce programme, pendant toutes ces semaines. Et vous savez qu'à partir de ce soir, 17h à la bille, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous les soirs, je serai à la bille. Donc ce soir, à partir de 17h pour les habitants de Yaoundé et ses environs, ne manquons pas, s'il vous plaît, je serai à la bille. Nous allons être là tous les soirs. Viens avec ta famille, viens avec ta maison, paye le prix et viens. Je répète, paye le prix et viens. Tu ne le regretteras pas. Le Seigneur te bénira mille fois, plus de mille fois, dix mille fois mais un milliard de fois s'il le fallait, à cause de ta foi. Que Dieu te bénisse. Donc ne manque pas. Et à toi je serai là ce dimanche 11. Chacun lui avait sa clé, la clé de sa maison, son bureau, etc. Donc je serai là, à par la grâce le seigneur jésus-christ ne manque pas à ce culte ce dimanche 11 ancienne cct quartier mokolo ain je serai là en personne bidwara bertwa talo dire aladwara tado omi onan bertwa ancienne cct on andia fatou de mokolo mokolo ain domi wodanton fajiran jabje jedi de bereta mindomari kulta minhaton kaji on waron luk dalawna mun barka ndei sama sio donc je voudrais avant de commencer mon direct avoir une pensée, ourait un bien-aimé le prophète Emmanuel Djoma, Emmanuel Dioma du Gabon, donc qui actuellement est retenu par les forces de l'ordre là bas. Et je voudrais joindre ma voix à la voix des prophètes qui, dans les nations, sont en train de lui envoyer des messages de, de soutien. Je ne le connais pas personnellement et on n'a jamais eu l'occasion de discuter ensemble. Euh, et puis j'ai suivi quelques-unes de ces vidéos et je ne sais pas pourquoi toute la nuit dernière mon esprit était en prière pour lui il y a d'autres choses que je préfère garder pour moi-même donc mon esprit était en prière toute la nuit mon esprit ma pensée était vers lui et, et j'ai beaucoup beaucoup prié pour lui tout au long de cette nuit j'ai beaucoup prié pour lui beaucoup prié pour lui et ce que je voudrais lui dire Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie dans le nom souverain de Jésus-Christ. Sois fort. Mais il faut comprendre que euh, c'est les plans de Dieu pour ta vie qui sont en train de s'accomplir. Ce qui est sûr, tu seras relâché, ça c'est clair. Tu seras relâché et après cela, le Seigneur te donnera d'autres ouvertures au niveau du Gabon et à l'international. Dieu se manifestera avec puissance dans ton ministère plus que jamais. Donc soyons juste des serviteurs fidèles, soyons humbles devant le Seigneur et n'oublions jamais que nous sommes des serviteurs inutiles. Je crois en Dieu, je crois qu'un jour on se croisera et on parlera face à face. Donc tiens as le soutien de, de, du prophète Ferdinand Canet au Cameroun et de toute notre congrégation baptiste camerounaise et la paroisse Rema, tu as le soutien de tous euh, ceux qui croient mon ministère, nous prierons pour toi, nous prions pour votre communauté, la synagogue pour toutes les nations, nous prions pour l'église, nos bien-aimés et frères et soeurs qui sont éprouvés à travers les épreuves par lesquelles leur leader est en train de partir, de traverser. Et je voudrais aussi donner une parole aux autorités gabonaises. C'est important, c'est important de respecter, d'honorer les hommes de Dieu. Dans la façon de traiter, je comprends que c'est un jeune homme, il est encore tout jeune, je ne sais pas s'il est encore marié, s'il est déjà marié, je le vois toujours seul, c'est un jeune homme qui vient avec une notion brutale. Vous savez, dans cette génération, Dieu, dans la francophonie, est en train de lever des prophètes brutaux. Et le ministère prophétique n'est pas toujours compris. Et il y a des personnes qui se disent que tout ce qu'elles voient là, c'est des montages. Parce que c'est vrai quand même que nous faisons fort. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu fait à travers nous que la sagesse humaine ne peut pas comprendre. Bon, mais c'est un homme de Dieu qui prie pour la nation. À des plaintes contre lui, je pense que le gouvernement devrait quand même le traiter avec une sorte de, 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 de condescendance, de respect, de vergogne, pour respecter au moins le manteau qu'il porte. Bon, si c'était un prêtre catholique romain, je ne pense pas qu'il serait traité de la sorte. Ou bien si c'était un imam, je ne pense pas qu'on le traiterait de la sorte, Mais parce que c'est un jeune homme d'une église. De charismatique et dont se dit il est sans défense, on peut le traiter n'importe comment pour l'humilier et tout cela. Vous voyez, il faut faire attention. Tout ce que je peux dire au gouvernement gabonais, c'est de d'avoir un peu de respect pour les hommes de Dieu. Ayons de respect. Et n'oubliez pas que euh, pour d'autres nations, leurs dieux sont visibles. Mais méfiez vous du peuple dont le Dieu est invisible. Je répète encore, méfiez-vous du Dieu, du peuple dont le Dieu est invisible. Nous paraissons faibles, mais nous sommes plus forts que jamais. Nous paraissons abandonnés, mais nous sommes accompagnés par des cohortes invisibles dont les gouvernements doit protéger leurs prophètes et non pas les mépriser et non pas les morigéner. Non, les gouvernements, un gouvernement sage, mais à l'abri ses prophètes. Donc, même s'il y a quoi qu'on donne comme. Faites les enquêtes et tout, mais vraiment sans humilier la personnalité que Dieu vous a donnée. Donc, voilà. Homme de Dieu, beaucoup de courage. Le Cameroun vous aime. Le Cameroun prie pour vous. Et je pense que par la grâce de Dieu, on se verra. Ce que j'ai vu sur. Euh, euh, ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu. Oui, je tombe sur les arnaques. Ce que j'ai vu la nuit ici. Je crois que ça va s'accomplir. Donc, beaucoup de courage. Et nous prions pour toi. Et ce dimanche, nous allons prier pour toi. Dans toutes nos églises, et dans le sujet, nous allons prier pour toi. Ce qui est sûr, tu seras relâché. Ça, c'est clair. Le Seigneur me l'a dit et je sais, nous sommes tous des prophètes. Le Seigneur le fera. Il vous relâchera. Et la guerre continuera. Mais personne n'arrêtera cette bataille. Nous n'avons pas d'armes contre la vérité, mais nous en avons pour la vérité. On ne peut pas arrêter la vérité. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de courage. Nous aimons le Gabon et nous bénissons en leur faisant la demande de un peu plus de maturité en ce qui concerne les hommes de Dieu. Voilà, un peu plus de maturité. C'est important. Un peu plus de de, de, de vergogne, plus de respect en ce qui concerne les hommes de Dieu. S'il hmm. n'y a rien de plus triste que ça. Parce que, vous savez, on ne peut pas se taire. Lorsqu'un frère est dans les problèmes, on doit parler parce que à qui le tour demain? Ça, c'est important. À qui le tour? La francophonie est en train de connaître un réveil bizarre. C'est ça la réalité. Dans toutes nos nations, vous allez voir au Congo, euh, bon, je sais pas trop le Congo, quel l'homme de Dieu qui rassemble, qui rassemble plus de monde aujourd'hui, mais il y a des jeunes hommes de Dieu là-bas qui ont des, une force médiatique redoutable. Vous allez voir au Gabon, il y a notre bien-aimé là-bas et je pense d'autres encore. Et puis au Cameroun, vous trouverez partout dans les nations, en Côte d'Ivoire, partout. Dans nos nations, là, vous trouverez qu'il y a des prophètes majeurs que Dieu est en train de lever dans la francophonie. C'est des années des années de prières que Dieu est en train d'exaucer. Donc, on ne peut pas jouer avec. On ne peut pas jouer avec. Et j'ai toujours dit que l'État doit comprendre que les prophètes sont une sécurité pour l'État. Vous n'allez pas comprendre toujours les choses spirituelles de manière charnelle. Non, sincèrement. Moi-même, il y a des choses que je fais. Il y a des choses que je fais, le gouvernement ne comprend pas. Et j'ai dit à quelqu'un hier, je crois que si j'étais gabonais, c'est que je suis en prison depuis longtemps. À cause des paroles qui sortent de ma bouche, des prophéties, parfois très, très dures, que je donne à ce qui concerne le gouvernement camerounais et que la vie politique, etc., l'État, des ministres et tout ça. Mais nous rendons grâce à Dieu parce qu'au Cameroun, les autorités respectent les hommes de Dieu. Et c'était notre prière depuis longtemps. Les autorités respectent. Elles comprennent que nous avons un rôle à jouer. Nous ne sommes pas les ennemis. De l'État, mais nous sommes une lampe de Dieu pour les nations. Quand quelque chose arrive, Dieu nous montre la chose à l'avance et nous prophétisons. Et je veux que les gens comprennent, vraiment, je veux parler un peu de ça, ce n'est pas mon message de ce matin, mais c'est important. Quand on voit un jeune homme, un jeune homme, un prophète, comme notre bien-aimé, subir ce qu'il est en train de subir, on ne peut pas dormir en paix, mes amis. On ne peut pas. On ne peut pas parce qu'il faut que les prophètes. En Afrique et dans le monde entier, puissent avoir cette solidarité entre nous. Nous sommes des voix que Dieu a donné dans cette nation. Nous sommes des voix. Vous savez, je voudrais dire certaines choses. Peut-être, bon, je vais le dire quand même. Certaines choses que Dieu m'aide à ne pas trop aller loin, mais je veux quand même parler de ces choses-là. Vous savez, les hommes de Dieu, il y a des hommes d'État qui ont compris notre autorité. Ils ont compris que Jésus nous a donné les clés.

où elle vous affranchira, où elle vous libérera. Donc, c'est pour dire que dans notre bouche, en tant qu'homme de Dieu et prophète, Dieu nous a donné les clés des nations, les clés des destinées. Dieu nous fait voir des choses, des choses profondes. Et il y a des nations où certains gouvernants ont connu la parole de l'Éternel. Vous savez, je suis arrivé dans un pays, je suis arrivé dans ce, avant d'aller dans ce pays, Dieu m'avait révélé quelque chose qui concernait le président de cette nation. J'ai donné cette prophétie. Et quelque temps après, la prophétie s'est accomplie. Donc quand je suis arrivé dans cette nation-là, le conseiller de ce président est arrivé, il m'a rencontré et ça, la, la sœur aînée aussi du président. Nous avons discuté à mon hôtel et il, le conseiller m'a demandé euh, des conseils, des orientations et tout ça. Et je lui ai donné des conseils, Et j'ai donné des orientations. Et la sœur aînée... De ce chef d'État aussi venu, elle m'a aussi posé des questions là. C'était sur le plan de leur famille et je lui ai donné des conseils par rapport à cela. Et puis euh, il était question qu'on se rencontre avec ce chef d'État. Il était occupé par certaines choses. Mais après cela, une autre parole de l'Éternel m'a été adressée. Mais cette fois-ci, la parole de l'Éternel n'était pas bonne. Et j'ai annoncé cette parole l'Éternel à ce chef d'État. Et puis il s'est fâché cette fois-là. Il s'est fâché contre moi. j'avais d'acheter le billet d'avion, tout était déjà mis sur pied. La nuit, la nuit, la veille du jour où je devrais voyager, un ange du Seigneur m'a apparu en vision. Il m'a dit Ferdinand, ne va pas dans ce pays, sinon la police va t'accueillir à l'aéroport. Parce que des ordres ont été donnés qu'on t'accueille à l'aéroport, qu'on t'arrête à l'aéroport. Et donc, le matin, j'ai annulé mon voyage. Euh, quelques temps plus tard, euh, mon fils, qui était pasteur dans ce pays-là, va m'appeler pour me dire, papa, nous avons un fils, vous avez un fils ici à l'église qui est une grande autorité dans la il a dit qu'il était, qu qu était dans une réunion dans laquelle, une réunion de haut grade de la police où on a dit que euh, on vous attendait mon, pour, on ne sait pas pourquoi on n'est plus venu, c'est comme si quelqu'un a fait fuiter l'information personne ne m'avait informé et il m'a demandé, mon fils m'a demandé, papa, est-ce que vous étiez au courant je lui ai dit oui et il m'a demandé qui vous a dit. Je lui ai dit l'an de l'éternel m'avait averti de ne pas aller là-bas. Donc, les prophètes, nous ne sommes pas des ennemis, des ennemis de nos pays. Non. Un prophète peut passer, lever, dire quelque chose de mauvais, parler sur son pays euh, avec plaisir. Mais si Dieu dit de parler, le gouvernement doit aussi être assez patient, mature pour comprendre que si Dieu nous parle à travers le prophète, c'est que nos œuvres sont mauvaises. On est en train de faire ce qui n'est pas bon. Vous ne pouvez pas être un gouvernement à qui Dieu ne peut pas ne peut pas vous faire des reproches. Dieu ne peut pas vous aider à revenir sur le droit chemin. Donc, c'est important. Mais c'est pour dire quoi? J'étais en train de causer avec une autorité militaire, un colonel, tout à l'heure. On est en train de parler. Et il y a une prophétie que l'Éternel m'avait donnée sur lui, une parole de l'Éternel pour, pour ce colonel. Je l'ai appelé, vraiment, je le dis. dit Mon colonel, voici ce que l'Éternel m'a montré clairement. Et sa prophétie me rappelle la prophétie d'un général. Dans mon pays. Un général que je n'ai jamais rencontré. Ma petite soeur a laissé le général, elle causait avec le général, et puis elle m'a dit c'est quelqu'un de très gentil. J'ai causé au téléphone quelquefois, avec ce général. Et donc, un jour, j'étais au Bénin, en mission au Bénin. Et pendant que j'étais en train de faire mon programme au Bénin, la nuit, la parole de l'éternel m'a été adressée pour ce général. Dieu m'a dit envoie ta petite soeur chez le général, lui dit ainsi, parle l'Éternel. Le Seigneur m'avait montré les pleurs secrets dans le cœur de ce général par rapport à son travail devant le Seigneur Dieu. J'ai appelé ma petite sur le lendemain, je lui ai dit, va chez le général, c'est tel général. Dis-lui ainsi par l'Éternel. J'ai entendu tes pleurs, j'ai entendu tes cris. Mais voici ce que l'Éternel dit. Dans quelques mois, une étoile te sera ajoutée. Et dans quelques mois tu seras affecté dans un poste de commandement où tu ne seras sous personne. Et puis ma petite sœur est allée, elle a vu le général, elle lui a dit, ainsi a parlé l'Éternel. Et elle lui a dit exactement la prophétie que je lui avais donnée. Et elle me dit que le général s'est humilié devant le Seigneur, le Père des esprits des prophètes. L'Éternel avait fait. Et la parole de l'Éternel, il s'est humilié. Elle dit qu'il m'a quitté derrière son bureau pour reconnaître la parole de l'Éternel. Quelques mois après, on lui a ajouté une étoile. Et quelques mois après, on l'a affecté dans un poste de commandement. Il a appelé ma petite soeur pour lui dire, pour me faire dire que la parole de l'éternel est vraie dans ma bouche. Elle a été accomplie. Il a tout fait pour qu'on se voit. Je ne suis jamais allé. Pourquoi? Parce que je suis un prophète. Un prophète ne cherche pas les amitiés avec les gens. Ou bien je... Comment je vais expliquer ça? C'est-à-dire qu'on ne cherche, on ne prend Dieu m'a dit, va, dis-lui ainsi parle l'Éternel. On voit que quelqu'un dire ainsi par l'éternel. Je dis ça et puis je m'arrête à ce niveau-là. Je me souviens que je suis allé dans un pays et on m'a, un de mes fils qui était proche du chef de l'État m'a dit okay, bah, si, que voici c'est que la femme du chef de l'État a demandé tout ça. Et que, quelle est la parole de l'Éternel? Et j'ai donné. J'ai donné la parole de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel que j'avais donnée sur la femme du chef de l'État et sur le chef de l'État lui-même s'est accompli. Le ministre de la Défense de ce pays-là a quitté son pays. Ils sont arrivés chez moi nuitanement, dans la nuit. Ils sont arrivés à la maison chez moi. Et il est venu, il m'a dit J'ai vu ce que j'avais dit sur le chef de l'État, c'est arrivé sur son épouse, c'est arrivé. Et je suis venu moi aussi pour consulter la parole de l'Éternel à travers vous. Et je lui ai annoncé. La parole de l'éternel, parce qu'il avait un problème, le chef de l'État. Je lui ai annoncé comment ça allait se passer. Et il m'a demandé est-ce que je dois aller vers le chef de l'État Je lui ai il faut aller. Il a demandé l'audience il est allé après. Il a envoyé me dire que la parole de l'éternel dans ma bouche est accomplie. Il a été gracié il a été reçu. Et puis voilà, les choses sont bien passées il a été réhabilité. Et puis... Donc, les prophètes ne sont pas les ennemis de l'État. Nous parlons de la part de Dieu. Maintenant, la parole de l'éternel dans notre bouche peut être bonne ou mauvaise. Dieu peut nous pousser à faire des choses qui ne plaisent pas toujours à tout le monde. Mais il faut comprendre que c'est Dieu. Il faut se soumettre. Il faut être humble pour accepter que l'éternel nous redresse. Il faut être humble. Ouais. Il faut que les gens comprennent cela. Et une autre chose qu'il faut que les gens comprennent, c'est que la vie de l'homme est éphémère. Qui que nous soyons, en réalité, nous ne sommes rien. On n'est rien. Moi, dans notre pays, vous savez, avec, on a une opération, ce qu'on appelle l'opération épervier. Il y a quelques ministres qui m'ont appelé, étant connu. Il y a un, un jour, un de mes fils est venu. Il a envoyé une lettre et une offrande. Et il a dit euh, qu'on vienne me consulter par rapport à son cas. Et j'ai prié. Et j'ai renvoyé mon fils. Va en prison. Dis-lui. Ainsi parle l'Éternel. Ton cas, je le reverrai, tu seras libéré. C'est des choses que tous ceux qui sont autour de moi connaissent. Et mon fils est parti en prison, il a rencontré le ministre, il lui a parlé, le prophète a dit, « De vous dire ainsi par l'éternel des armées, voilà, vous serez libérés, il y aura une grâce présidentielle pour vous, etc. » Et puis la chose, quelques mois après, c'est arrivé. Il y a eu une autre de la présidence de la République qui demandait qu'il soit libéré, spécialement lui, et il a été libéré. Et puis la parole éternelle a été, une fois de plus, éprouvée. Donc c'est pour dire quoi Nous sommes des prophètes, mes amis. Si vous nous enfermez, la nation devient aveugle, c'est ça la nation devient aveugle. Et puis, il faut aussi comprendre qu'il y a tellement, tellement de faux rapports sur nous, venant même parfois des services de renseignement. Il y a des faux rapports. C'est pour ça que quand il y a une plainte contre un vrai homme de Dieu, je ne parle pas de ceux qui se disent homme de Dieu, qui commettent des exactions, qui se cachent derrière le manteau d'homme de Dieu pour cacher le grand banditisme, cacher le terrorisme ou bien la corruption ou bien le blanchiment d'argent, etc. Ce ne sont pas des hommes de Dieu là-bas, ce sont des malfrats, ce ne sont pas des prophètes. Un prophète mène une vie propre. Il est irréprochable. Un vrai prophète, il vit pour Christ. Il fait son ministère. Il n'entre ne, il pas dans les histoires sales. Il ne s'associe pas à ce qui est sale. Si quelqu'un fait ça, il n'est pas un vrai prophète. Nous, les prophètes, nous sommes nés pour prophétiser. Nous sommes nés pour voir la face de Dieu et entendre la voix de Dieu et puis annoncer la parole de l'éternel à notre génération. C'est ce que nous faisons. Mais si on t'attrape, on dit que tu es prophète on trouve les armes chez toi es prophète, on trouve que tu es un trafiquant d'ossements humains. Tu es un bandit. Tu es un bandit, c'est ça la réalité. Tu es un bandit. » Donc voilà un peu, mes amis, que Dieu vous bénisse. Au nom souverain de Jésus. Donc, euh, prophète Emmanuel Dioma, nous prions pour toi, nous t'aimons. Et sache que le Seigneur t'assiste. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, et à toute la synagogue, pour toutes les nations, nous vous aimons et nous prions pour vous. Demeurez loyaux à votre Père. Ce que vous faites est bien. Ce que vous faites est bien. Toute son administration générale, je vous apprécie. J'apprécie ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. C'est extraordinaire. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Bien. La Bible dit, Innahoteos, tu Hémon, Hemon. Christo, Ho Pater, Tes Doxes, Doen Umin Pneuma Sophias, Kai Apocalypseos, En Epignosei, Auto. Alors... Je vais revenir un peu sur Ephésiens 1, verset 17. Et je veux que vous soyez un peu attentifs, parce que nous parlons des clés. Tu posséderas la porte de tes ennemis. On ne peut pas posséder la porte de nos ennemis si on n'a pas les clés. Et pour cela, je vais essayer de vous révéler certaines vérités techniques dans les scènes d'écriture. J'ai dit technique parce que c'est un peu compliqué. Hein? C'est un peu compliqué. Donc voilà pourquoi je prends un verset et on essaie de tabler, caracoler, chevaucher autour de ce verset. Je prends dans le texte étymologique grec essayer de t'aider à comprendre parce que dimanche je pense que certaines personnes n'ont pas compris je vais aller doucement je réponds à tes questions comment faire pour posséder la porte de mes ennemis d'abord comment faire pour ouvrir mes portes mes propres portes qui sont fermées comment le faire c'est très simple la connaissance de la vérité j'ai dit la première clé que le seigneur nous a donné c'est la clé du savoir la vérité Umas, vous connaissez la vérité, la vérité vous rendra votre liberté. Je prie au nom de Jésus que la révélation de la vérité parvienne à toi et qu'elle te rende libre dans le nom souverain de Jésus. Libre pourquoi parce que la prison dans laquelle tu étais va s'ouvrir, tu vas sortir et ta vie va commencer à briller. Un prisonnier ne peut pas réussir, donc il faut être complètement libre pour pouvoir réussir dans la vie. Et donc nous allons parler des clés. La clé là, c'est quoi Les gens m'ont demandé, les clés c'est quoi Et vraiment, je peux vous expliquer ça en un seul mot. On va prendre tout le mois de septembre pour aller doucement, doucement. Je veux que de long en large, tu comprennes la révélation sur le mystère des clés et des portes. Et j'ai dit que l'enseignement de Jésus et sa doctrine étaient fondés sur le mystère des clés et des portes. Les clés, des portes. Les clés, des portes. Les clés et les portes. Les clés et les portes. Vous lisez Esaïe 22, 22. Je mettrai sur son épaule les clés de la maison de David. Il ouvrira, personne fermera. Il fermera, personne ne l'ouvrira. Je pense que ça se répète dans, dans l'Apocalypse. J'ai ben, chapitre 3. Apocalypse 3. Je ne sais pas si c'est 17 ou 7. Donc, il dit, je mettrai sur son épaule les clés de la maison de David. Les clés-là, c'est quoi? Est-ce que ce sont des clés physiques? Non. Maintenant, il dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Et j'ai expliqué dimanche que la, la vérité, la vérité en fait, la vérité, même pour posséder la vérité en elle-même déjà la connaissance de la vérité et, et ça a une clé il faut la clé et la connaissance est une clé en fait la connaissance en elle-même est une clé quand vous lisez luc euh, chapitre 11 le verset 52 luc 11 verset 52 où Jésus fait le reproche aux scribes et aux pharisiens il leur dit que malheur à vous parce que euh, vous privez la clé de la connaissance à ceux qui veulent accéder à la connaissance en sorte qu'ils n'entrent pas et vous vous n'y entrez pas. Ouais. Donc, pour dire que pour connaître, c'est un don de Dieu. Il faut que Dieu te donne les clés pour comprendre sa parole. C'est pour ça que sur Internet, sur Facebook, vous allez voir les gens dire n'importe quoi, des anneries, des choses qui n'ont rien à voir avec la doctrine fondamentale chrétienne. Pourquoi Parce qu'on n'interprète pas les Saintes Écritures sans avoir reçu de Dieu la clé pour comprendre sa parole et accéder au mystère de son royaume. Alors, maintenant, dans Éphésiens 1, verset 17, l'apôtre Paul nous explique un peu le mystère de la clé de la compréhension de Christ. Parce que quelqu'un qui ne comprend pas Christ ne peut pas manifester le pouvoir de Christ. La première chose que je dois faire, c'est connaître qui est le Dieu dont je suis le serviteur ou bien la servante. Il faut le connaître. Et pour connaître ce Dieu, l'apôtre Paul nous donne la technicité théologique et spirituelle. Et voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire que l'apôtre Paul, c'était un esprit, ce pas un homme. Maintenant, écoutez attentivement ce qu'il va déclarer. Il dit ceci, Dans 1, verset 17 En sorte que. Le Dieu de notre Seigneur, Christo, Jésus Christ, Jésus Christ, Doxes, le Père de toute gloire. vous donne un esprit, l'esprit de sagesse. Kai l'esprit de révélation, et epignosei en vue de sa connaissance. Voilà. Donc, voici ce que l'apôtre Paul nous sert. Et ça, c'est un mais qui est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que, L'apôtre Paul nous explique que dans la science de la connaissance de Dieu, comme il dit, vous connaissez la vérité, la vérité vous affranchira, il y a deux esprits qui doivent d'abord t'accompagner. Il y a deux esprits que tu dois recevoir, dont on ne reçoit pas la connaissance de Dieu directement. Non, il y a deux esprits dont l'apôtre Paul nous fait révélation. Il y a ce qu'on appelle Pneuma Sophias, qui est l'esprit de la sagesse, et Pneuma Apocalypseos, qui est l'esprit de révélation. Et l'apôtre Paul dit que pour parvenir à la connaissance de Jésus, il faut que l'esprit de sagesse m'habite d'abord et que l'esprit de la connaissance m'habite. Hein, l'esprit de, 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 de révélation m'habite pour que je parvienne à connaître Christ. Si je n'ai pas ces deux esprits, je ne peux pas connaître Jésus. Il ne parle pas de la sagesse ou bien du don qui est un don de Dieu. Non, il ne parle pas de la sagesse, il parle de l'esprit de sagesse, Pneuma Sophias, et non pas de Sophias Toko. Il parle de Pneuma Sophias et il parle de Pneuma Apocalyseos. Il ne parle pas de la révélation seulement, mais il parle de l'esprit de révélation. Il parle de la sagesse qui est un esprit et de la révélation qui est un esprit. Et quand on parle d'esprit, on parle de la vie. C'est quelque chose qui vit en vous, quelque chose qui se meut en vous, quelque chose qui est fonctionnel en vous. Donc pour connaître Jésus-Christ, il faut d'abord que, que j'ai l'esprit de la sagesse et l'esprit. De révélation. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut ces deux esprits pour parvenir à la connaissance de Jésus-Christ, qu'il appelait ici l'épignosis? On va revenir sur le mot ép épignosis tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit de la sagesse, la sagesse facilite la compréhension de la connaissance. Quand vous êtes sage, vous comprenez facilement. Donc, la sagesse, c'est un facilitateur qui te donne l'accessibilité, la facilité d'accession ou d'accessibilité et d'adaptabilité. Ouais, c'est un peu ça l'important de la sagesse. La sagesse te permet de comprendre les choses du royaume avec facilité. Donc c'est un facilitateur. Et, et quand cette connaissance qui est compliquée arrive vers toi, la sagesse la simplifie. La sagesse, la sagesse, la, la, la métamorphose, la sagesse la traduit à un langage accessible à ta personne. Donc tu n'as pas du mal à, à décrypter le mystère de la connaissance de Christ. Non. Le voile est levé facilement, tu décryptes facilement. Pourquoi Parce que tu as en toi l'esprit de sagesse dont le rôle est de déchiffrer les mystères les plus compliqués du royaume de Jésus-Christ. Ça fait que tu comprends facilement ce que d'autres n'arrivent pas à comprendre facilement. Ça, c'est l'esprit, le pneuma sophia. Ça, c'est l'importance du pneuma sophia. Maintenant, le deuxième euh, pneuma sophia. Maintenant, le pneuma apocalypseos. L'esprit de révélation, son rôle, c'est quoi dans la vie du croyant C'est la découverte. Il te fait découvrir, il te fait inventer dans le royaume de Christ. Tu vois des choses que ta génération ne voit pas, tu aperçois des choses que ta génération n'aperçoit pas, tu découvres des choses que ta génération ne découvre pas. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement que le pneu Apocalypseus est un esprit d'invention. Et dans cet esprit d'invention, vous verrez... Euh, la Bible parle d'Holiath de, de, de et de Bessaléel et dit, je les ai rendus capables de faire des inventions. Ça, c'est ce qu'on appelle pneumapocalypseos. C'est un esprit de révélation. Parce que Apocalypseo, Apocalypseo, en grec, signifie découvrir quelque chose. Apocalypseos, veut dire découvrir quelque chose. C'est quelque chose qui est caché. Mais l'esprit d'Apocalypseos te donne de découvrir tout ce qui est caché dans le monde de Christ que les enfants de Dieu ordinaires ne peuvent pas découvrir. Toi, tu les découvres. Or, oh, celui qui découvre ce que sa génération n'a pas découvert va opérer dans une dimension où sa génération n'opère pas. Et ce genre de personnes sont mal comprises dans leur génération. Elles sont toujours combattues. Parce qu'elles font des choses qui semblent bizarres pour leur génération parce que c'est une connaissance qui n'est pas parvenue à leur génération et qui n'est pas parvenue à tous, qui n'appartient qu'à ceux qui ont le pneuma l'esprit de la révélation, bien l'esprit des apocalypses. Or, oh. Ces gens-là, il n'y a plus de mystère pour eux dans le royaume de Christ. C'est cela que, quand vous lisez par exemple Matthieu 7, 7, la Bible dit demandez, l'on vous donnera. Ça, on n'a pas besoin de, du pneuma Apocalypseos là-bas. Il dit cherchez, vous trouverez. Tu ne peux pas trouver sans posséder le pneuma Apocalypseos dont il est question ici dans Éphésiens 1, verset 17. Tu ne peux pas trouver. Parce que c'est cet esprit de révélation. En réalité, quand on parle de révélation, il faut comprendre dans c'est. Enlever le voile sur ce qui est caché, enlever le voile qui cache un trésor. C'est ça, le pneu Apocalypseos. Donc, avec, tu ne peux pas trouver, tu peux chercher pendant mille ans sans jamais trouver. Seigneur, merci pour ta gloire. Tu peux chercher pendant mille ans sans jamais trouver ce que tu cherches, si tu n'as pas le pneum Apocalypseos. Mais celui qui a le pneum Apocalypse, les choses qui sont cachées pour les autres, leur sont révélées. Ils les découvrent facilement. Ils peuvent, ça dit que ce que les autres n'arrivent pas à comprendre, ils les comprennent. Ce que les autres n'arrivent pas à découvrir, ils découvrent cela. Et vous allez savoir que le taux de gloire que tu manifestes dans ta vie chrétienne dépend du taux de découverte de vérité et de trésor que tu fais dans le royaume de Jésus. Dans un enfant de Dieu qui est pauvre en découverte, en Penum sa vie sera aussi pauvre en gloire de Dieu. Parce que ce qui donne la gloire de Dieu, c'est la découverte des révélations cachées des mystères du royaume de Christ. C'est ça. Quand tu découvres un mystère du royaume, ce mystère augmente ta gloire, te fait briller, te fait monter en gloire, en richesse. Et c'est une richesse du royaume. Elle t'enrichit en fait. Ta vie est enrichie par elle. Tous les domaines de ta vie sont enrichis par elle. Tu es contaminé par l'explosion de la gloire de cette vérité que tu découvres. Donc, la vérité est une source de richesse. La vérité est une source de libération. La vérité est une source d'enrichissement. La vérité est une source de guérison. La vérité est une source de mariage. Tant que tu n'as pas le pneum apocalypse, dans le domaine sentimental, tu ne peux pas trouver ton mari. Il sera là à côté de toi, mais tu ne le verras pas. Tu verras sans apercevoir. Tu seras comme Diogène Laërce, le philosophe qui cherchait la vérité, qui cherchait l'homme en plein midi, avec, en tâtonnant en plein midi avec la lampe en main. Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent-ils pas à briller Parce qu'ils sont pauvres. Ils sont pauvres en révélation. C'est la révélation qui les fait briller. Même dans le ministère. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que la richesse est une idée. Et cette idée-là, c'est ça qu'on appelle le pneuma apocalyseos. C'est une révélation. Ça veut dire quoi Tu peux vendre les beignets, mais ce n'est pas ce que tu devrais faire. Tu vas vendre le pain, ce n'est pas ça que tu dois faire. Il y a quelque chose qui est caché. Que si tu découvres la chose-là, tu deviens millionnaire aujourd'hui même. Il y a quelque chose dans ta vie sentimentale qui est là, mais que tu ne vois pas. Le jour où tu verras ces choses, tu vas te marier après ça. Il y a quelque chose dans ta santé-là que tu ne vois pas encore. Le jour où tu vas découvrir ça, la maladie, elle va partir. Donc ce sont des choses cachées. On ne peut pas avoir le pneumon Paul ne peut pas évoquer le pneumon s'il n'y a pas de choses cachées. En fait, vous savez, laissez-moi vous montrer un peu à quoi ressemble le rhum de Jésus. La Bible explique que dans son enseignement quotidiennement, Jésus-Christ enseignait, mais en parabole. Et la parabole, c'était quoi Qu'est-ce qu'il disait à ses apôtres Il expliquait la parabole en disant que... C'était pour cacher, pour que la génération dans laquelle il était voit sans apercevoir, entende sans comprendre. C'est ça le royaume de Christ. Le royaume de Christ, Jésus-Christ l'illustrera en disant, il est semblable à un homme qui entre dans un champ et il arrive là-bas, il découvre un trésor. Il va, il vend tout ce qu'il possède et il vient acheter le champ. Mais le problème, c'est que celui qui vend le champ, le propriétaire, l'ancien propriétaire du champ, n'avait pas découvert le secret, le trésor de son champ. Mais quelqu'un d'autre est venu avec le pneu d'Apocalypse, le champ que l'autre négligeait comme si ce n'était rien. Lui, il a vu quelque chose là-bas. Il a vu une richesse. Il a vu un trésor. Il vend tout ce qu'il possède parce qu'il sait qu'en rachetant ce champ, il sera plus riche. Il récupérera tout ce qu'il a perdu, tout ce qu'il a vendu. Et revient, il revient, il vend le champ. Et l'ancien propriétaire, il vend le champ à vil prix parce qu'il ne connaît pas la valeur du champ. Est-ce qu'il n'était pas béni Il était béni. Est-ce que Dieu n'avait pas nanti son champ Dieu avait nanti son champ. Cette bénition du champ appartenait à, à qui À son ancien propriétaire. Mais le problème, c'était quoi Il n'avait pas le pneumon Apocalypseios qui lui permettrait de découvrir le trésor qui était dans son champ. Dieu lui a donné la richesse, mais il n'a pas dit qu'il était riche. Il a vendu sa richesse à vil prix et il s'est appauvri. Après cela, c'est la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Tant que dans un domaine de ta vie où tu cherches la délivrance, tu ne découvres pas le secret de l'Apocalypse. C'est-à-dire que le mystère, ou le mysterios, le mysterios qui est caché dans ce domaine de ta vie par l'esprit de révélation, tu ne pourras pas être sauvé. Alors, j'ai donné un exemple très simple pour que ça vous permette de, de comprendre. Par exemple, tu peux faire la coiffure. Tu ne t'en sors pas. Pourtant, la coiffure, ce n'est pas ton domaine. Peut-être, toi, c'est l'agriculture. Si tu commences l'agriculture, tu vas de, de devenir un exportateur international de vivres. Mais, tant que tu n'as pas le pneu m'apocalypse, tu ne pourras pas savoir que voilà le domaine pour lequel je suis appelé. Mon chemin, c'est là-bas. Tu vas toujours t'attonner. C'est pour cela que beaucoup de personnes ne sont pas à leur place. Et tant que tu n'es pas à ta place, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir. Et l'apôtre Paul dit. Il dit que ce, ce pnum Apocalypseos nous donne quoi? En, auto, en vue de sa connaissance. Auto ici c'est mis pour Jésus Christ, c'est-à-dire le Seigneur Jésus Christ. Il dit En auto. Or, epiknosei est formé de deux mots grecs, épi et gnosis. Or, la connaissance en grec c'est gnosis. Gnosis, Gnoseo veut dire je connais, première personne euh, du, du singulier. Gnoseo, je connais. Ou bien, on peut aussi dire connaissance, mais c'est Gnosis qui veut dire la connaissance. Or, l'apôtre Paul dit ceci, il dit que si nous avons le pneuma sophias, qui est l'esprit de sagesse, le pneuma apocaloséos, le l'esprit de révélation, nous ne parviendrons pas au Gnosis, mais nous allons parvenir à l'épignosis. Et puis, veut dire au-dessus. Et puis veut dire supérieur. Et puis veut dire en hiérarchie. Il dit que le pneuma Sophias et le pneuma Apocalypseios nous donnent accès à l'épignosis qui est la connaissance supérieure, le plus haut niveau de connaissance par lequel exclusivement on peut connaître Christ. Donc on ne peut pas connaître Christ seulement avec le Gnosis, on doit le connaître mais avec l'épignosis. C'est un peu comme pour dire que l'épignosis. Est une connaissance spéciale, spécialisée dans la compréhension de Dieu. Et celui qui comprend Dieu a réussi dans sa vie. Non, non, non. Celui qui comprend Dieu a réussi dans sa vie. On ne parle pas de la compréhension totale, mais de la compréhension dans la mesure de grâce que Dieu nous fait. Parce que l'apôtre Paul dit clairement Nous prophétisons en partie, c'est des meros, et nous connaissons, et c'est des meros. Mais ce qui est important, c'est que. Même ces Merous que nous avons en connaissance, il dit Gnoscomène. Et dans Merous Gnoscomène, c'est Gnosis en fait. Nous connaissons la connaissance générale, la connaissance globale. Mais la connaissance de Dieu, c'est Gnosis, qui est une connaissance spirituelle de la révélation de la personne de Dieu. Or, celui qui connaît Dieu est béni. Celui qui connaît Dieu connaît sa destinée. Celui qui connaît Dieu connaît son présent. Celui qui connaît Dieu connaît son futur. Celui qui connaît Dieu. Il n'y a plus de secret entre lui et Dieu. Celui qui connaît Dieu devient un ami de Dieu. La Bible dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Celui qui a compris Dieu, mes amis, a réussi la vie. Il a réussi, il n'a plus rien à demander. Il a la vie éternelle qui demeure en lui. Son nom est écrit dans le livre de la vie éternelle. Et puis, il a une demeure sainte auprès du Seigneur. En fait, son avenir spirituel, présent et avenir là, dans le siècle présent, le siècle avenir, il a gagné. Or, oh, quelle est la plus grande richesse qu'un enfant de Dieu devrait posséder Quelle est la plus grande porte que nous devrions ouvrir, mon ami C'est de répondre à cette grande question. Après ma mort, où est-ce que j'irai Est-ce que la porte du royaume des cieux me sera ouverte Ça, c'est la première porte pour laquelle nous devons nous battre. Il faut te rassurer d'abord que si tu meurs maintenant, tu iras au ciel. Si tu meurs maintenant, tu vas habiter avec Jésus-Christ. Si tu meurs maintenant, tu auras droit à ta demeure céleste. Mais la Bible dit quoi Il y a plusieurs demeures. Que votre cœur ne se trouble pas. Dans Jean 14, verset 5 à 4, à 6, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Puis lui lui dit, Seigneur, où vas-tu? Nous ne savons ni le chemin. Nous ne savons où tu vas et comment en serons-nous le chemin. Et Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Vous voyez? Donc, il dit, il y a des demeures au ciel. Et cette demeure, tu dois avoir les clés. Et la première clé qu'un enfant de Dieu doit chercher à posséder, c'est la clé du salut, que tu sois sauvé. Vous savez, la possession des biens de la terre, c'est quelque chose de bon. Mais la Bible dit que la priorité doit être d'abord notre salut. Il y a un verset populaire, Matthieu 6, 33, Recherchez premièrement le et la justice de Dieu, et tout le rêve vous sera donné par-dessus. Donc il ne dit pas que le reste est mauvais, qu'un enfant de Dieu ne doit pas rechercher le reste, quoique certaines personnes mal interprétent ces choses. Que les enfants de Dieu ne doivent pas chercher à travailler, à faire des business, dans des BTP, à se développer. Non, nous devons faire toutes ces choses-là. Mais la Bible dit que tu dois les faire après être rassuré que ton nom est déjà écrit dans le livre de la vie éternelle. Mais si ton nom n'est pas encore écrit dans le livre de la vie éternelle, laisse d'abord ces choses secondaires-là. Concentre-toi sur ton salut. Parce que mon ami, mon ami, mourir sans Christ, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. L'apôtre Paul, lui, en tant que prédicateur, dira qu'il craint qu'après avoir prêché aux autres, lui-même soit rejeté au dernier jour. Et il y a un verset de la Bible qui tarotte toujours mon esprit, qui trottine toujours dans mon esprit. Il n'y a pas un jour sans lequel je ne pense pas à ce verset biblique. Et je voudrais savoir aussi, toi aussi, peut-être, il y a un verset biblique. Il y a un verset biblique, peut-être, qui te tarotte aussi l'esprit. Quel est le verset biblique qui te préoccupe le plus S'il te plaît, dis-le-moi en commentaire. Quel est le verset biblique qui te dérange, qui te. C'est à qui te fait réfléchir. Quel est le verset biblique qui te fait réfléchir? Moi, il y a un verset biblique, hein? Vraiment, le verset là, parfois m'enlève le sommeil. Je fais attention que ça ne m'arrive pas. Plusieurs me diront, Matthieu 7, 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Le verset, c'est tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Le verset, c'est dans ma tête. Alors je leur dirai ouvertement Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. De ce pour dire quoi Celui qui écoute la parole de Dieu sans la mettre en pratique est insensé. Parce qu'après ta mort, tu vas rendre des comptes. Nous tous, on rendra des comptes. Donc ce verset me fait toujours réfléchir. Je pense beaucoup à ce passage de la Bible. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas guéri le mal en ton nom N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom Bon, mais la question qu'un prophète doit se poser, qu'un homme de Dieu normalement doit se poser, si tu es un homme de Dieu, le verset biblique, ne te fait pas réfléchir, ça ne saute pas ta tête, c'est que mon ami, tu n'es pas avec nous. Je dis la vérité. Parce que comment est-ce que Jésus peut dire que qu'on va venir lui dire que nous, en prophétisant son nom, qu'on a guéri le mal, en son nom, en son nom. Et Ça veut dire que les gars ont prophétisé, les gars ont guéri, ils ont fait des miracles. Mais ils ne pratiquaient pas la parole. C'est un peu ça la révélation du passage. Eux-mêmes ne se conformaient pas à la parole. Et ça me rappelle une autre parole de Paul qui dit que toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui dis de ne pas euh, faire l'idolâtrie, toi tu commets des sacrilèges. voyez ouais. Donc c'est sérieux, c'est très sérieux. Seigneur, on a guéri maintenant. Non. Seigneur, dont le problème de guérir les malades, ce n'est pas le salut. Prophétiser ne veut pas dire que le prophète est en sécurité. Non. Chasser les démons ne veut pas dire que avec l'onction, ce n'est pas le salut. Jésus montrait que tu peux être loin et tu perds le salut. Et je comprends mieux pourquoi l'apôtre Paul expliquera qu'il craint qu'après avoir prêché aux autres, faites toutes ces choses qu'il a faites là, qu'il soit rejeté en ce jour-là. Donc, il est préoccupé par cela. Il ne veut pas. Il ne veut pas perdre sa couronne. Il ne veut pas travailler en vain. Il veut avoir la récompense au bout de son travail. Et il sait que la, la condition, c'est d'être intègre et d'être droit et vrai dans ce qu'on fait pour Dieu. Nous, dans tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, faisons-le d'un cœur droit, soit vrai, soit sincère. Ça, c'est très important. Donc, un enfant de Dieu qui va à l'église doit mettre en pratique la parole de Dieu. Et j'enseigne encore la première clé que tu dois chercher à posséder c'est mettre ton âme à l'abri. Parce que, mes amis, quel que soit le nombre d'années que tu vas vivre sur la terre, tu vas mourir un jour. On va mourir. Moi-même qui fais le direct là, un jour va venir, vous allez seulement voir à la télé. C'est une question de temps. Les gens vont seulement aller dans ma page Facebook pour me voir. Mais moi-même là, il Ferdinand en physique là, à mon là, vous ne me verrez plus jamais. C'est une réalité. Mais quand nous vivons, on a l'impression qu'on va jamais mourir. On voit les gens mourir à côté de nous. Ça nous fait un peu comme si on ne mourra jamais. Mais la vérité c'est que eux aussi pensaient comme ça. Mais les voilà qu'on a enterrés. Donc un jour ce sera toi et moi. Nous assistons aux obsèques des gens. Nous partons dans les morgues. On monte, on descend. Tu vois, dans les deuils tu pleures. Parfois mais tu ne pleures même pas, tu pas boire, tu ris. Ça qu'un jour les gens viendront sur ton deuil pour boire et pour rire. Mais en ce moment-là, la responsabilité d'un enfant de Dieu doit d'abord aller vis-à-vis -vis de son âme, pas d'abord vis-à-vis de son corps. Ne cherche pas d'abord ce que tu vas manger et ce que tu vas porter. Ne cherchez pas la maison où tu vas habiter. Vaut mieux marcher nu et être sauvé. Vaut mieux mourir de faim et aller au ciel que de posséder tous les biens de la terre et aller en enfer. C'est dangereux lorsqu'un enfant de Dieu ne comprend pas cette vérité simple. Lorsque pour l'amour de l'argent, ton commerce, ton travail, tu peux laisser l'église de côté. Parce que l'église est la seule entité qui est éternelle. Ça dit que c'est la seule activité. C'est la seule activité qui va t'accompagner après le tombeau. Ton travail, même si tu es PDG, ça va mourir avec toi au tombeau là. Ça ne traverse pas. Tu es un général. Sache que tes galons ne vont pas passer avec toi de l'autre côté. Tu es un colonel. Tu es un commissaire divisionnaire. Il faut savoir que tout ça va finir avec la mort. Mais la seule chose qui va te suivre après. La mort, c'est ton activité à l'église. C'est ton activité, c'est ta foi, la manière dont tu as mené ta vie chrétienne. Donc, si tu es un chrétien, en même temps, tu es virevoltant, frivole, tu es chrétien, tu vas à l'église, tu écoutes la parole de Dieu. En même temps, tu continues dans ta vie de prostitution, d'ivrognerie, de drogue, de, de, tu es un chrétien, on ne peut pas te faire confiance. Tu es voleur en même temps, un frappeur, manque d'intégrité, etc. Mon ami, tu es en danger. C'est le plus grand danger qui, qui que tu cours. Oh, Jésus dit que « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » avec ces clés, normalement, tu contrôles la porte du ciel, la porte de ton salut. Tu dois être sauvé. C'est aussi pour cela, d'abord, que la clé nous a été donnée. Avant d'ouvrir les portes du mariage, les portes de finances, les portes de séjour, de cela, la première porte que tu dois ouvrir, c'est d'abord le ciel. Est-ce que le ciel est ouvert au-dessus de moi si je meurs maintenant J'irai où si tu es un enfant de Dieu, tu ne poses pas la question là, tu es en danger de mort. Tu es vraiment en danger de mort. Ça, je vous dis la vérité. Tu es en danger de mort. Tu es fini. Tu es fini. Ta vie est en danger. Ta vie est plus en danger que quelqu'un qui a été mordu par un mamba noir. Parce que être enfant de Dieu vivre dans le péché, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Parce que la Bible dit que celui qui n'aura pas connu le Fils de Dieu, qui n'aura pas connu la vérité, sera battu d'un peu de coups, d'un petit nombre de coups. Mais celui qui aura connu la vérité, mais qui ne l'aura pas pratiqué, sera battu d'un grand nombre de coups. Ça veut dire que tous les enfants de Dieu qui ont écouté la parole de Dieu et qui ne l'ont pas appliquée dans leur cœur, en enfer, vont souffrir plus que les païens. C'est la simple vérité. C'est la simple vérité. Toi qui manques l'église pour rien, parce que tu regardes un feuilleton à la télé, tu manques d'aller à l'église, parce que tu gères l'argent, ah non, vraiment, le commerce, il faut que j'envoie les enfants à l'école. Il faut que, que si tu meurs, tes enfants vont faire comment Ils vont mourir. Ils vont mourir. Tu es un parent, tu n'es pas le Dieu de tes enfants. Nous sommes les parents de nos enfants. Vous savez, à un certain moment, euh, j'ai commencé à avoir un peu de... J'étais un peu gêné par rapport à, à Jemima. J'étais vraiment dérangé par rapport à bouger, partir, monter, descendre, les missions et tout. Donc, parfois, ça pouvait influencer ma décision d'aller dans les guerres de l'éternel passé et j'aurais toujours voulu être avec elle. Mais après, j'ai commencé à réfléchir que si je meurs maintenant là, elle fera comment Elle va faire comment Mon père est mort tôt. Elle fera comment Elle fera comment pour s'en sortir Alors, j'ai dit non, mais écoute, il faut déjà l'habituer à la rudesse de la vie, qu'elle comprenne que celui en qui elle doit se confier, c'est Dieu. Tu es son père, mais tu n'es pas Dieu pour elle, en fait. Si je ne suis pas là aujourd'hui, elle vivra. Quelles que soient les difficultés qu'elle va connaître, etc., l'éducation qu'elle a, l'aidera aidera à combattre. Elle connaîtra la cruauté de la vie, mais cependant, elle apprendra à ses propres dépens et elle deviendra une femme. C'est ça la réalité. Mais lorsqu'un parent prend ses enfants comme s'il était le Dieu de ses enfants, c'est-à-dire que sans, tes enf sans toi, tes enfants, comme si tes enfants allaient mourir, ils n'auront plus de vie, c'est une grave erreur que nous commettons. Oh non, il faut que j'aille me battre pour mes enfants. Mon ami, rien ne doit être priorité dans ta vie. En dehors de Dieu, le reste vient après. Le reste doit venir après. Si tu es enfant de Dieu, ton travail vient avant Dieu. En Avec fait, tout ce qui prend plus de temps que Dieu dans ta vie est ton Dieu. C'est ton vrai Dieu là-bas. Nous sommes idolâtres sans le connaître. Si ton téléphone prend plus de temps que Dieu, que ton temps de prière, de méditation, de culte, le temps que tu as pour Dieu, tu es idolâtre. Ton téléphone est ton Dieu. Si Facebook prend plus de temps dans ta vie, que Dieu... Bon, tu as trouvé, parce que la Bible dit « Où est ton trésor Là sera ton cœur. » Ça veut dire que Facebook est ton Dieu. Tu es un idolâtre. Et ne sois pas surpris que tu penses que tu es sauvé et puis après ta montre sort là-bas devant un dossier sur Facebook. On te dit que celui pour qui tu passes plus de temps, avec qui tu passes plus de temps, c'est le Dieu Facebook. Mais sincèrement, bien Internet ou je ne sais pas trop quoi. Donc la, cette chose qui t'empêche d'aller à l'église, cette chose qui te pousse à régner la foi chrétienne. Cette chose qui t'empêche à plaire à Dieu là, c'est ton Dieu là-bas. Tout ce qui dans ta vie est en première position, si ce n'est pas Jésus, la chose qui est en première position là, peut-être Jésus est en deuxième position, bien troisième, quatrième, cinquième position là, la chose là, Jésus n'est pas ton Dieu, c'est ça qui est ton Dieu. Il y a des enfants de Dieu, leur Dieu c'est maman, c'est l'argent, les biens matériels, les biens du monde. D'autres c'est leur mariage, d'autres c'est leurs enfants, d'autres c'est leur beauté, d'autres c'est le sexe. Ouais. Donc maintenant je pose la question Qui a la première place dans ta vie? Qui a la première place dans ta vie? Réponds-moi en commentaire, s'il te plaît. Sois sincère. Qui a la première place dans ta vie? Si c'est ton sexe, dis c'est mon sexe. Sois sincère. Si l'alcool dis c'est l'alcool. Si c'est Dieu, dis c'est Dieu. Si c'est ton mari, dis c'est ton mari. Si c'est Jésus, dis c'est Jésus Christ. Donc, dis la vérité. Ton premier, ça dit que qu'est-ce qui prend ta première place? Ça dit que quelle est la chose qui t'empêche de bien servir Dieu là? S'il y a quelque chose qui est au même niveau que Dieu dans ta vie, ou quelque chose qui dépasse Dieu, ces choses-là, c'est ton Dieu, c'est ton vrai Dieu là-bas. Parce que Dieu ne devrait être comparable à rien dans ta vie, dans nos vies, à comparable à rien. Ma femme, tu vas abandonner Dieu là, tu m'amènes à abandonner Dieu, mon amour se sépare. Mon mari, je suis prêt à t'abandonner pour Dieu. Mes enfants, je suis prêt à me séparer de vous pour Dieu. Ma propre vie, je suis prêt à la perdre pour Dieu. Et l'apôtre Paul dira dans acte 20, 20 24, il dira quoi je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu que j'achève la course, l'œuvre du ministère qui m'a été confiée. Et je ne fais aucun cas de ma vie. Tu ne peux pas en même temps dire que tu veux servir Dieu et faire un cas de ta vie. donner l'importance à ta vie. Il faut que tu perdes ta vie. Voilà pourquoi Jésus va dire pour finir que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il vienne. Quand quelqu'un aime Dieu, mais n'est pas l'agent va marcher à pied pour aller à l'église. Il va marcher à pied. Mais si les choses du monde les, ton, Tiens, enfant de Dieu Ton cœur est encore dans le matériel Tu veux l'argent, tu veux l'argent Laissez-moi, je me dis que j'ai fini Attendez, d'abord j'ai fini Maintenant, vrai, vrai J'étais en train de causer avec un ami j'ai même parlé ça ça pas l'église l'autre jour, mais j'ai oublié de finir. Qui est un directeur général, qui est un jeune très ambitieux. Et nous parlions des BTP, etc., des grands projets qui peuvent faire de nous des milliardaires et tout. Je lui ai parlé du ministère, lui, il me parlait des affaires. Et j'ai commencé à parler des milliards et de milliards. Et j'ai dit, OK, moi, si je veux ouvrir une entreprise de BTP, c'est pas que c'est mauvais, c'est très bien. On en a besoin, en fait. Et j'ai dit, je veux ouvrir une entreprise comme ça, en BTP, je serai un multimilliardaire dans le monde entier. Moi aussi, j'aurai des milliards et tout ça. Et j'étais vraiment motivé. J'avais déjà pris la décision d'appeler un de mes fils pour lui dire Va m'ouvrir, faire les papiers, etc. Alors, quand on se sépare avec mon ami là, et je suis en train de partir, pendant que je marchais, la parole de l'éternel m'a adressé en ces termes. Et Dieu m'a dit Supposons que tu possèdes tous les biens de la terre. Supposons que tu as beaucoup de maisons. Dans combien de maisons vas-tu dormir de façon simultanée par nuit, en une nuit, dans combien de maisons vas-tu dormir J'ai dit une maison. Il m'a dit OK, quand tu dors, sur combien de lits tu vas dormir en même temps Monsieur, tu as dix maisons, j'ai dit sur un seul lit. Il m'a dit D'accord. Et le jour on va t'enterrer, avec combien de ces biens on t'enterrera J'ai dit Aucun. Okay. Et il m'a dit Vanité de vanité. Apprends à me servir avec ce que je te donne et contente-toi de ma grâce dans ta vie. Contente-toi. Et si tu manques de maison, j'ai dit non. Tu manques de voiture, non. Tu manques de nourriture, non. Tu manques de vêtements, non. Et il m'a dit, pourquoi courir après l'argent Pourtant, je t'ai donné l'essentiel. Et il m'a dit, apprends à me servir dans le contentement. Sois heureux avec ce que je t'ai donné. Directement, sur m'a versé l'eau glacée. Sur moi, j'ai compris que j'étais heureux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'amasser de biens. Il ne faut pas faire dans les entreprises. Il faut le faire, peut-être pour moi. Dieu a voulu m'enseigner cette leçon de la vie et que moi, mon cas, dans ce qu'il m'a donné, c'est suffisant et c'est la vérité. Je suis heureux. J'apprends à être heureux dans ce que j'ai. Je crois que je suis heureux. Je suis très heureux. Euh, j'ai un beau lit dans lequel je dors. J'ai une belle maison dans laquelle je dors. J'ai une voiture dans laquelle je roule. Je suis heureux en fait. Et je veux bénir Dieu pour cela. Donc, je me concentre maintenant dans mon salut. Après ma mort, j'irai où? Et Ferdinand, mon ami, Mola? Après la mort, tu vas aller où C'est important. C'est important. Pose-toi cette question. Si tu meurs aujourd'hui, où est-ce que tu iras Parce que l'argent, tu ne vas pas bâtir avec. Les maisons, tu n'iras pas avec. Les voitures, tu n'iras pas avec. Et le Seigneur a commencé à me parler. Le président Amadou Aïdjo a vécu comme chef d'État au Cameroun. Il n'est plus. Il est où Il est mort. Le respect qu'il avait, où La gloire qu'il avait, c'est où La richesse qu'il avait, c'est où Les grands de cette terre qu'il rencontrait, c'est où c'est fini. Sa femme s'est battue pour qu'il soit libéré. À une certaine époque, sa femme était vivante. On avait fait des interviews, des émissions, etc., etc., etc. Aujourd'hui, elle est où Elle est morte en fait. Elle est morte. Elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Elle est partie. Elle est morte. Fini. Comme si elle n'avait jamais vécu. Comme si elle et son mari n'avaient jamais vécu. Donc, mes amis, n'oublions jamais ceci. Un jour, tu ne seras plus là. Mais le problème, le dernier jour de ta vie sur la terre-là, tu vas la, le passer comment Réponds à cette question. Prends toutes ces journées pour méditer là-dessus. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 17h. Soit connecté, avec toi qui ne pourras pas être là physiquement. Mais si tu es dans la ville de Yaoundé, ne manque sous aucun prétexte au rendez-vous de ce soir à 17h à la bille. S'il te plaît, Dieu nous amènera dans d'autres dimensions. Venons nombreux. j'ai dit encore venons nombreux. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, viens. S'il te plaît, viens. Que la pluie ne t'empêche pas. Que la distance ne t'empêche pas. Je prie qu'il y ait une révolution dans ton cœur pour un amour passionnel et illimité pour Jésus. La pluie ne sera plein un problème. La distance sera plein un problème. Les finances seront plein un problème. Je prie que Dieu te bénisse au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Amen. Rendez-vous demain dès qu'il sera encore 10 heures pour une autre émission à la lumière des Saintes Écritures. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom.